Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si par chez vous vous habitez par chez nous, mais si vous habitez par chez nous, il fait mais vraiment un froid de canard dehors. Il n'y a pas d'autre mot pour dire qu'on est frigorifié. Dès qu'on va une minute dehors, on est frigorifié. Désolé pour le bruit. Regardez Céleste. Ah maman, il fait froid. Lily, bon, mais t'es en robe. Il est l'heure de partir. On va t'habiller dans la voiture. Oh, ça caille! Oh, oui, hein. On t'habillera chez mes Mémertésie. On n'a pas le temps. On est très en retard à l'école. Là. Oula, mince, son pantalon. Il va être tout sale. Bon, ça, c'est pour moi. C'est pour me couvrir la bouche. Ils vont bientôt partir en camping-car, ça. Ils partent en camping-car. C'est vraiment pas chaud. Si vous habitez par chez nous, il fait pas chaud. Le soleil. Franchement, il y a plu comme jamais cette nuit. Ah oui, il y a une sacrée averse. Gris et gris. Il s'est échappé hier. Alors si tu le vois, tu nous fais signe, ok? Ok. Parce que c'est un chat d'appartement, alors... Pouf, boule de poil, et à croire qu'il a passé la nuit dehors, moi ça me fait un peu mal au cœur. Ah oui, c'est vrai qu'il a passé la nuit dehors, le pauvre. Il a dû être frigorifié, mais vu qu'il avait des longs poils, ça allait. Alors Lily, on va t'habiller. Tu te sens déjà mieux? Ah oui, c'est plus chaud. Allez, dépêche-toi Lily. Oui, elle est derrière moi, je vous rassure, excusez-moi, j'arrive pas à bien prononcer. Et voilà, bon, alors, désolé pour ma qualité. Là, elle est habillée. Bon, parce qu'on a pas voulu la mettre en robe. Vous avez vu le froid qu'il fait? Certainement pas. Et à manches courtes en plus. Oui, et à manches courtes en plus. Bon, aujourd'hui, Lily, tu manges à la cantine avec Lily. Pour pas que mamie elle ait trop de travail. Enfin, tu manges à la cantine avec Jules. Pour pas que mamie elle ait trop de travail. Parce que. Tu viendras les rechercher? Hein? Chercher après l'école? Tu iras les rechercher après l'école? Oui, ma chérie. T'inquiète pas. Tu sais où c'est de toute façon. C'est la même que quand j'étais petite. Exactement la même. Alors, je vais mettre mon Mac. Voilà. Bon, je vais t'accompagner parce que toi, t'es une chibi. Des fois, elle se taille. Donc voilà, on est arrivé. Devant l'école, il y a la garderie, tu vas pouvoir rejoindre tes copains à mon avis. Ah oui. Voilà, c'est là, je vais t'accompagner. Et voilà, bye bye.